C'est confirmé, Premier ministre Ariel Henry forcé by démission li hier soir dans une vision conférence en face ministre yo. Et c'est Patrick Bravet qui t'a dirigé conseil des ministres côté PM Ariel Henry t'a pas remettre démission. Ancien sénateur Guy Philippe ak bandi vivant ensemble yo gagné première tranche bataille là. Kounya là, rete l'autre tranche là qui c'est chaviré décapoté système pesé sous CA. CARICOM content. Et puis, li bat bravo la contentement pour preuve de sagesse ça. Ariel Henry prend pour d'accord chita. Et puis, li texte côté yo écrit pour lui pour le dire li démissionné. Sans plus tarder, m'a invité au prince chez chita. On a attendu et puis gardé Ariel Henry qui t'a fait un lecture démission. Comme vous bien, ce n'est pas Ariel qui écrit le texte là. C'est écrit ou écrit pour lui. Et puis tout lui fait une preuve de sagesse. Lui chita pour faire le petit. On a regardé. Après ça, m'a tourné pour plus de détails avec précision. Depuis plus de une semaine, le pays noir a vécu une augmentation de violence. Toutes sortes de violence qui a fait contre la population. Nous avons assassinat, attaque contre force de l'ordre, pillage systématique à destruction bâtiments publics et bâtiments privés. Ça fait nous mal et ça révolte nous. Tout le monde sait qui a mouru là. Le gouvernement m'a dirigé à pas arrêter insensible devant situation ça. Comme on toujours dit, il n'y a aucun sacrifice qui est trop grand pour le pays noir Haïti. Le gouvernement a dirigé, après le conseil des ministres à Souéa, accepté pour mettre en place un conseil présidentiel de transition. Même conseil SAO pour le choisir après une entente entre différents secteurs de la vie nationale. Le gouvernement que m'a dirigé a retiré l'école immédiatement après l'installation du conseil ça. Il a continué à expédier affaires courantes jusqu'à ce que vous désigniez un premier ministre et un gouvernement. Haïti besoin de la paix. Haïti besoin de stabilité. Haïti besoin d'un développement durable. Haïti besoin de rebâtir institutions démocratiques. Je demande à tout Haïtien, à tout Haïtien, pour être calme, cœur posé. Et pour faire tout ça capable pour que la paix retourne, de même que stabilité, tout ça le plus rapidement possible pour bien payer. Je voulais remercier le peuple haïtien pour l'opportunité que le BAM ainsi que toute équipe gouvernementale pour le servir avec intégrité, sagesse et honneur. Que Dieu bénisse Haïti noir. Merci. Nous sommes de garder là Ariel Henry qui remet démission. Femmes ou bien, tout ça où Ariel Abdiyo, tout ça attendait yo. Je pense que c'est dans le cas Ariel Henry. C'est écrit ou écrit Bali. Et puis tout, Lichita, la Fonlexi. Comme nous avons dit, Ariel, c'est lui qui a dirigé le pays. Il est conscient qu'il n'est pas capable, il faille avec mission. Et puis tout, il n'est pas le contexte, il démissionné. Mais non. Si c'est pour Ariel, il n'est pas démissionné. C'est forcé ou forcé de démissionner. Étant donné le FMD au pays, li gen environ 18 jours depuis le FMD au pays, li pa ka rentre, CARICOM international, la primati force Ariel démissionner, puis démissionner. Mais c'est pour Ariel là, il t'a fait carré là. Kounya là, est-ce qu'il y a un bravo pour monsieur vivant ensemble yo qui force Ariel démissionner? Il pa ka bat bravo parce que c'est un bandi. Oui. Ariel démissionné, mais
Si nous attendons bien, ça Ariel dit, pendant qu'il met démission, nous garantissons, nous comprenons, ça arrive à des gens qui ne comprennent pas le créole. Dans la démission, ça Ariel, ben là, forme ou bien, Ariel fait qu'on est, c'est un conseil présidentiel transition, ça qui pral désirer yon premier ministre avec yon gouvernement. Avant décision sa prend, gouvernement m'a dirigé à Ariel Henry fait qu'on est, il dit, a continuer liquider affaires courantes. Ariel dit, gouvernement l'a dirigé à après l'école, tout de suite après installation conseil présidentiel transition. Tout autant conseil présidentiel transition pas installé, li pas negati, li poko la, li poko disponible, gouvernement a toujours été, mais c'est pas Ariel Henry qui premier ministre, c'est Patrick Bravé qui l'a en attendant gen yon installation conseil présidentiel transition. Tendez bien, Ariel pas égaré. Est-ce qu'elle a retiré l'école, quitté le pays sans qu'il moun adan? Mais non. Étant donné c'est Patrick Bravé pendant Ariel pat là, c'est dans le pays ATE, oui, Ariel remet démission, qu'on y a là tout, pour y remettre pays avec yon groupe moun, faut gen yon installation conseil présidentiel transition. Tout autant pas gagné, gouvernement Ariel Henry a toujours été là. Parce que Ariel clairement dit, dans le discours, il a clairement dit, et gouvernement, lui a dirigé, ou il a dirigé, a continué liquider affaires courantes. Et ceci, il a retiré l'école tout de suite après installation conseil présidentiel transition. Moi, je regarde Ariel qui a fait les petits. Linette qui n'a pas Ariel là, empêche Ariel li sa écrit. Vous connaissez Ariel pas fin par l'école très bien. Je sais. Femme zoubi la kounya. Et. Kari kon bat bravo. Il bat bravo. On a regardé. Kari kon. Femme zoubi. Yo te fait yo assemblé, yo te chita là. Kout nan gade Mohamed et Ifan Ali t'a annoncé démission Ariel Henry comme premier ministre. Il mandé pour assemblée CARICOM nan bat bravo à cause. Mais gen pa m'attendé misa parler de Ariel Henry, m'a demandé est-ce que c'est Ariel pays d'Haïti ya? Ou bien tout son Ariel, parce que ça m'attendé misa t'a parler de Ariel là, c'est complètement différent avec réalité ya. Franchement me saisi. Ariel était là, oh oui, pour développer le pays, c'est là, ou peut-être ça, Ariel by démission, un bat bravo. C'est où? Next, c'est là qui m'a dit, je vais aller boire des pâques, même pour ce que c'est trois coups de boire des pâques, boire d'elle. On a regardé CARICOM qui t'a bat bravo à cause Ariel Henry remet démission. To that end, we acknowledge the resignation of Prime Minister Ariel Henry. Dans ce sens, nous prenons acte de démission Premier ministre Ariel Henry. Ça pourrait permettre mise en place du conseil présidentiel transition qui a pour nommer un Premier ministre. Je voulais prendre une petite pause pour remercier Ariel Henry pour service li à Haïti, service li à peuple haïtien, pour engagement personnel li, pour travail li fait pour développement Haïti, pour avancement peuple haïtien. M'a demandé nous dans sens ça pour nous bal your applaudissement. And I ask us to give him an applause. Est-ce qu'on est de causer? Hein? L'entendre de femme ou bien m'a ba crédit là, c'est Lison Saint-Ville qui a traduit et l'anglais met la créole pour nous. Femme ou bien et pas Lison Saint-Ville qui met parole par nous. C'est ça nèg yo dit et puis tout Lison Saint-Ville traduit en créole. Li metel là. Kounya là, est-ce que c'est Ariel Henry pa nou an? Pour Mohamed
est-ce que c'est Mohamed Misirele, moi me regarder oui Mohamed, est-ce que c'est de Ariel Henry pas nous Mohamed a parlé là. Mais je me confuse dans tout ça me se dit là. Bon, comme vous bien et Guy Philippe et la souris en bas parce que Guy Philippe gagne l'ambition politique, l'envie président et tu me sais vivant ensemble t'as dit déjà pas gagne aucune décision qu'a prend sans vivre ensemble par la donne. Whatever décision qu'a comme prend nèg vivant ensemble par la donne, c'est la vie messie à terre. Étant donné ce CARICOM qui a décidé pour le pays d'Haïti, c'est blanc en soi. Kounya la, si toutefois, yo met ton président, ce n'est pas Guy Philippe, si toutefois, bandit vivant ensemble, pas d'accord, qui s'est pas passé? Moi, je sais ça. A Ariel démissionné? Oui. Et ceci, il faut qu'il y ait un monde qui peut être payé. Nous d'accord. Kounya, si CARICOM prend une décision, sans barbecue pas d'accord, Iso, Tilapli, Mano, Vite l'homme, l'homme en 100 jours, Jeff Canaran, avec tout le bandit, yo, ça peut pas passer à Haïti. Tenez bien, dans le cas comme clé, Guy Philippe tout le monde, parce que pour décision, pour critère, moi, comme mette là, pour Kevin président, et bah, il jouet, non? Tenez bien. Mais quatre conditions CARICOM mette sous table pour yon moun qualifié pour vin membre conseil présidentiel selon premier ministre Babadla qui c'est madame Mia et madame Mia et Motley on va dire comme ça. Attendez bien. Moi ça m'a dit là yon pas joué en faveur Guy Philippe, tendez bien. N'a parti pour premier condition. Yo di, faut moun sa pa jam condamné au soi sous route pour condamner pour yon crime qu'il commet. Numéro 2. Tendez bien. Li di, faut moun sa pa yon inculpé. Numéro 3. Faut moun sa pa yon candidat pour prochaine élection. Et puis faut moun nan d'accord ak résolution ONU concernant déploiement force multinationale là. T'as déposé? Ouais, dernière condition, yo clairement di ou faut qu'on reste avec. Faut qu'on se choule oni. Whatever ça oni dit ou. Faut qu'on d'accord avec toute résolution yo. Et puis tout, faut qu'on d'accord déploiement force multinationale là. Mais Guy Philippe dormide yo. Il dormide yo. Parce que Guy Philippe, il est condamné pour drogue. Guy Philippe, c'est un équipé. Guy Philippe, semble que Guy Philippe a l'ambition politique pour aller dans l'élection. Tout ça, vous tendez là, li pa jwe en faveur Guy Philippe. Et puis tout, faut que nous soyons d'accord avec la résolution ONU. Guy Philippe a clairement dit déjà, depuis que nous avons dit, li pa d'accord force multinationale entre dans le pays d'Haïti. Nous avons BESAP, nous avons l'armée d'Haïti, nous avons la police. Nous capables. Hey, mais cause. Guy Philippe parle de même. Il y a fou de gens. Il y a obligé de prendre là pour la guerre pays à nommer. Mais gen moun tout ki y pa fè Guy Philippe confiance nou. Eh yo pè pou Guy Philippe pa venir pays ya. Yo pè. Et mais ça ou se tande là. C'est CARICOM qui mette quatre conditions sur table là. Et yon pa jwenn en faveur Guy Philippe. Kounya la tout, si yon pa jwenn en faveur Guy Philippe, qui est-ce moun Guy Philippe pral proposer? Qui est-ce moun? Guy Philippe pa ka même nan conseil là. Et puis tout, mais c'est vivant ensemble yo. Est-ce qu'il y a d'accord avec un choix? Et whatever moun ta pran. Est-ce qu'il y a d'accord? D'ailleurs, barbecue Clément dit pas gagne ka fèt la sans vivre ensemble. Aïe. Nou mele. Hein? Pe a ka continue bloqué nan menou la. Parce que tout critère ça pas jouer en faveur Guy Philippe parce que tout moun nan yo met espoir sou Guy Philippe. Ma ka di tout moun majorité nan moun yo. Yo met espoir sou Guy Philippe.
et gen moun tout ki pè Guy Philippe, gen moun ki di an essai avec Guy Philippe et gen moun ki répond di et nan essai avec Matéli qui fait payer à tomber dans sa li là. Hein? Nous mêlé. Kounya la tout. Deuxième tranche bataille et tu me c'est Vincent Mio, femme bien. Et Guy Philippe t'a annoncé révolution. Malheureusement, pas révolution qu'a fait là. Même si nous t'étais de Guy Philippe remercier peuple là qui continue kembe avec révolution. Mais et pas peuple dans la rue là. Hein, et pas peuple qui dans la rue là. Ça remercier bandi dans la rue. Soit remercier bandi pour révolution qui kembe là. Mais peuple là l'homme idéo. Parce que ça qu'a fait la bataille zamnié. Peuple là rien zam et timé c'est bandi qui zam nan mais yo. Hein? Et puis tout. Le matin de Guy Philippe qui a parlé. Hein? N'a pas d'accord avec Guy Philippe, Guy Philippe, avec Bandio. Hein? Ah, mais si je n'entre avec Bandio, si ça remercie, plutôt remercie Bandio. Hein? Plutôt remercie Bandio, parce que ça a passé là, nous étions de Guy Philippe qui parlait de amnistie. Aussi tout le film président, si tout fait le président, parce que j'aime là, même P, Guy Philippe qui a parlé dans le président. Si tu fais le président, Bandio là, et lui propose amnistie si tu fais le collaborer. Quand tu jeunes amnistie, quand tu jeunes balles, qu'est-ce qui va aux âmes, qu'est-ce qui va aux balles, qu'est-ce qui va aux com, qu'est-ce qui mette dans la rue là, qui est ce monde qui finance yo? Il t'a dit que ça, il faut payer à jeune vérité ça. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous faire un autre dossier, pas oublier Chanel ça. C'est pour Audition 69, vous pouvez vous abonner, peser sous cloche de notification. On va retirer ce personnage de sous tout pour les narrons vidéo. Pour pas rater. Docteur Ariel Henry, diffusé au beau milieu de la nuit, dans la nuit de lundi 11, pour l'ouvrir mardi 12 là. Parce que bon quantité de monde, même si vous tape dormi, mais qui devine réveillé par la suite, qui était plus ou moins tendé message là. Il ne doit pas comprendre le message là, ou bien manquer comprendre le message là. Mais nous certains que autant des messages là. Pour nous autres décisions pour diffuser ou bien pour rendre public une telle déclaration du docteur Ariel Henry, c'est sans surprise. C'est le contraire qui nous aurait étonné. Parce que si nous croyons tout ça dit entre mardi, qui était 5 mars là, pour arriver jusqu'à lundi 11 mars là, si nous croyons tout ça fait qu'il y a un intervalle, ça, donc un message comme ça, il était imminent, une déclaration comme ça, tout au moins une décision pour te faire une déclaration pareille, ou bien pour te faire passer un message comme ça, il était imminent. Maintenant, dans le fond, on est capable toujours poser question. On est capable de demander par exemple, est-ce que si Dr. Ariel Henry t'a parlé la semaine dernière, c'est même ça le dit hier yo li t'a dit point d'interrogation. Est-ce que si docteur Ariel Henry t'a parlé dans week-end qui s'est passé là, ça le dit dans mi-temps la nuit hier lundi pour l'ouvrir jeudi mardi a, c'est yo le t'a dit point d'interrogation. Est-ce que message ça, déclaration ça yo Docteur Ariel Henry, lui-même l'a fait à travers cette vidéo 2 minutes et plus ça, c'est exactement message ça, Miami Herald t'a parlé de l'île, elle t'a dit par exemple que en plein vol, le docteur Ariel Henry te recevoir, eh bien, yon appel du département d'État américain et que l'ambassadeur de Antigua aux États-Unis t'a confirmé message ça ou bien t'a confirmé information ça du Miami Herald pendant l'ajouter que yo te get un bail
Docteur Ariel Henry, un message même pour lui, en parole même pour le dire, pour l'annoncer démission. Est-ce que c'est le même message que Docteur Ariel Henry a utilisé dans la vidéo qui est publiée hier soir là? Nous pas certain. Ces questions, encore une fois, nous a posé. Maintenant, comme il y a information qui fait quoi que le message l'a vini au terme de conseil des ministres que Dr. Ariel Henry lui-même l'état présidé sous Zoom ou bien par visioconférence, est-ce que c'est pas yo même au niveau du gouvernement qui entend yo qui vous dit oui Ariel a parlé mais na qui ça se souhaiter? Eh bien message là orienté en lieu place de tel autre sens. Nous parlons de nos battles. Toujours est-il ces questions à poser. Parce que M. Damio qui est dans le gouvernement, ça, il a tellement montré qu'il est solidaire à Ariel Henry jusqu'à son dernier soupir politique, entre guillemets, il va mourir. Il est capable toujours dit un bail bagala en forme en lieu place de telle autre forme. Soit pour ne pas paraître trop laid de l'opinion, ou bien soit pour yon capable conserver ça ou gen comme ego, pour yon pas montrer faiblesse yo, mais pour yon pas montrer que c'est à la peine d'ap quitté. Mais yon l'autre monde qui c'est des observateurs à visite qui demandent tout, est-ce que pouvoir te gen toute la geste ça, toute possibilité ça, est-ce que blanc yo, diplomate étranger yo, qui rentre toute longueur dans le dossier, te baille équipe en place là, toute possibilité pour nous dire ça n'ap di yo là. Ça c'est des considérations. Mais un fait est certain, c'est que le message là, l'y enregistré, l'y publié. Mais sauf que, à aucun moment dans le message là, Dr. Ariel Henry n'a pas parlé de démission. Il n'a pas même utilisé ni verbe là qui s'est démissionné, ni moi qui s'est démission, voire pour le temps utiliser l'adjectif là qui s'est démissionné, par exemple. Maintenant, est-ce que son choix nous baronne? Ou bien si son choix, est-ce que choix est innocent? Nous baronne, il y a du seul. Sauf que nous avons gagné plusieurs commentaires, pas de moins. Et pas étonné, ou que définitivement pas je la tourne, non, le va tourner. Parce que pour qui ça? Bon, bah, fondamental qui dit dans la vidéo, il dit gouvernement l'a dirigé, hein? Prêt ou bien après tirer l'école, guerrier, c'est le conseil présidentiel là fin mette en place, guerrier de seul, qui lui-même va le gagner pour choisir un PM. Mais qu'on y a là, et si conseil ça, il fait plus que délai, il n'y a pas mettre en place. Ou bien, moun qui est placé pour mettre conseil en place là, si il dépasse le délai, ou bien il prend plus de temps que prévu. Donc cela sous-entend, Ariel capable toujours été comme premier ministre, même le pas clair, puisque il parlait de gouvernement l'a dirigé. Donc, d'accord, c'est de tête qu'il a parlé, gouvernement l'a dirigé. Donc, c'est lui-même, avec notamment son cabinet ministériel, ses différents ministres. Donc, il a parlé pour retirer Koyo jusqu'à la mise en place, ou bien jusqu'à l'installation, si vous voulez, du conseil présidentiel. Maintenant, acteur qui gagne pour choisir Moun pour voyer dans le conseil présidentiel là, il a gagné un délai de 24 heures. On dit pour une raison ou bien pour un autre, il t'apprend plus que 24 heures ça, il t'apprend 48 heures. Il t'apprend 72 heures. Nous d'accord, si nous quoi ça dit dans vidéo là, Ariel avec gouvernement là toujours été en poste. Parce que bon condition pour retirer quoi là. Donc installation. C'est comme d'après la chérie pour moi m'a parlé d'un pays après moi depuis tout petit. Qui grandit tête li, qui souverain, j'en suis à dire à la Janik. Rencontre qui te prévoit faite hier matin avec différents acteurs qui te soumettent proposition de sortie de crise. J'en te dis dans l'espace là, dans le journal première occasion hier, il était question que CARICOM te rencontré avec acteurs sous Zoom aux environs de 11h du matin. 11h là c'est heure Jamaïque, mais l'étape midi pour nous autres en Haïti. Guerrier ou pas imaginer ça?
tout le monde qui a participé dans la rencontre là ou bien qui te recevoir invitation pour participer dans la rencontre là, vous répondez là exactement à l'heure. Vous là à l'heure. Pas une seconde de retard. C'est ça. Midi pour l'un pas noir, la caille nous. 11h pour le Jamaïque là. Les midi 5, on a parlé de la caille nous. Les midi 6, midi et demi, réunion pour commencer. Et puis vous montez. Il dit mon yo pour petit patience, yo va le démarrer dans un instant. Et pas une pièce acteur qui fait preuve de patience, yo style là y a tan. Midi 30, midi 45. La côte là pour démarrer. 1h, la côte là pour démarrer. 1h30, yo retourner encore yo dit mon yo pour petit patience. La côte là va commencer dans un instant. Et jusqu'à 2h30, il y a 2h, il vient encore dire patience. Jusqu'à ce que gagne le président du PHTK, je crois. Et là, on a parlé de Lini Balthazar, qui dit lui-même, il y a l'autre occupation, etc. Il n'y a pas arrêté. Donc là, vous obligé d'aller. Patience, patience. Réunion a commencé aux environs de 3h45, madame, monsieur. Tu as gagné plus d'une quarantaine d'acteurs politiques et de la société civile qui était présent. Car comme venez, ils ont fait mise en contexte là, ils ont fait des râlés et puis ils ont dit que toute proposition ils recevaient, bon côté acteurs et guerriers, ils ont un point de similitude. C'est que majorité d'entre eux parlait du conseil présidentiel. Yo Antonio, etc. Yo dit, yo pas d'un problème pour conseil là, moi non, faut gagner des critères qui préalablement établis. Débat vient à fait, et puis jusqu'à ce que vienne mon volet qui a un rapport avec moun qui sanctionné, moun qui frappé de sanctions internationales, moun que soit l'ONU ou bien les États-Unis, le Canada sanctionné, gagné Magali Komodeni de la Comontana, l'accord du 30 août 2021, qui vient intervenir, qui dit, puis quoi que moun qui sanctionne yo, ou bien moun qui en bas sanctionne yo, pas ta doué, la dalle, pas ta doué ka capable intégrer ou bien faire partie du conseil présidentiel. Débat fait, l'idée a changé, guerrier de seul, et puis vient gagner. L'ancien premier ministre Claude Joseph, numéro 1, EDA, qui prend la parole, guerrier de seul. Au cours de cette journée du mardi 12 mars, capable de des spécialistes en communication, capable d'essayer d'analyser vidéo, guerrier. Il est capable de lever, soulever un côté ambigu, il y a une certaine ambiguïté, il est capable d'expliquer que le message est biaisé. Ou bien message a marqué clair, li marqué direct. Et spécialiste en communication, quand même, aller plus loin pour yon tenu compte de langage corporel, ça n'est les body language, je vais vous dire la dernière, ou pas l'anglais. Un gestuel PM dans la vidéo, Jean l'a fait cool, Jean Colombo, comme si ou est son nek qui pas à l'aise, ou reprenne son nek qui pas. Qui pas de vle parler vraiment dans ce sens ça. Ou reprenne comme li pas de vle ou bien information te fait quoi que le te voye jeter d'un revers de main toute l'idée pour le démissionner ou senti peut-être son moun y a forcé fon bagay. Ou reprenne malgré nan vidéo a Dr. Ariel Henry dit qu'on ça pas gagné aucun sacrifice qui trop grand dès qu'il s'agit de pays de Haïti, mais entre ça l'a dit ya, avec expression visage, nous pas compatibilité, ou pas ouais, yo match. C'est comme si tu as commandé. Est-ce que Dr. Ariel Henry lui nécessaire la parole l'a dit yo. Bien mon gazo, c'est non personne Ariel Henry a même ça y est. C'est non ADN ni même l'elle a tombé le gars tout fait rondomont. Vous comprenez? Parce que
Il est capable de faire égo tout, comme il n'est pas de aller, il était vle, il était sous pouvoir, c'est forcé ou forcé. Vous comprenez, ce n'est pas un monde vraiment qui est venu au point, qui rend compte que il n'est pas qu'à délivrer marchandises là, et que le retire col de son propre gré, c'est contraint ou contraint, mais on sent malgré la tombé, la montré ou. C'est comme pour le dire ça, le dire à l'idil, comme pour le faire ça, le faire, le faire, mais pas parce que il était vle, pas parce que il était souhaité ou bien il était envisagé. Par contre, là, Adjaniat et aussi Max Saint-Fleur. Maintenant, quel que soit Sandagagagé comme analyse ou déclaration, docteur Ariel Henry, quel que soit qualificatif, nous devons mettre derrière, que nous parlons de démission, que nous parlons de révocation, ou bien n'importe l'autre bagaille, donc, graine vérité matin, nous devons attendre nous souli. C'est que jeudi, Ariel Henry, qui t'est existé en 2021, en 2022, jusqu'à janvier, février 2024, là, c'est pas lui-même qui existait pendant la parole là. Donc, son Ariel Henry, qui pratiquement tournait dos, by administration publique là, by primature là en particulier, by l'État, d'une façon générale. Il est capable de bon pied, qui peut être devant porte principale, villa d'accueil là, il est capable dans la cour, villa d'accueil là, mais beaucoup de dehors, tout beaucoup finir ramasser matin clan pour les jambes barrières, pour monde qui vient d'elle, yo vient d'elle, etc. Mais au moins nous certains que Ariel Henry pas dans bureau encore là. Nous certains que Ariel Henry n'est pas dans espace côté premier ministre doit chita même sous fauteuil là. Qu'on y a là, est-ce que monsieur font intervention en anglais? Je vais déposer. Et monsieur fait une belle intervention. Je ne suis pas trop fort en anglais, mais. On va comprendre quand même. Monsieur fait une belle intervention. Je ne vais pas faire PM dans l'acheter. Monsieur fait une belle intervention. Et à the end of the day, je viens comprendre que ce n'est pas pour sans raison qu'il fait. Il n'a pas adopté ses choix. Ses choix et de faire avec l'autre. Équipe là. Pour comprendre, à savoir 7 membres au niveau du conseil présidentiel. Dans l'intervention Claude Joseph là, il y a surtout sous bail sanctionné. Claude dit il pensait que faut que tu reconsidérer question ça. Et qui ça le bail comme argument, il dit c'est des sanctions unilatérales. Il prend par exemple Widlin Pierre. Nous connaissons qui sont monde qui étaient très 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 impliqués dans la question construction canal irrigation au niveau de Wanamet. Ils ont monde comme Widlin Pierre par exemple, la Dominicanie, la République Dominicaine décidé sanctionner. OK? Parce que li dans devant dans canal là, li c'est porte-parole comité qui a supervisé et travail construction yo, li montré que li prend à cœur ça qu'a dit, li dit on monde comme ça que la République Dominicaine sanctionné. Et si tu as un secteur, tu as un groupe qui t'a décidé de faire choix de lit pour aller au niveau du conseil présidentiel. Donc, ce qui base qu'on y a là, on peut le dire, les papes là-dedans, alors que sanctions, ce n'est pas des bagages qui chita. On a parlé de Caroline Pierre là, oui, pour ne pas passer toutes sanctions. Sanctions, ce n'est pas des bagages comme si qui forcément chita. Surtout la République Dominicaine. Surtout par la République Dominicaine. Claude Joseph est avancé dans ce sens. Et lui-même a allé plus loin, guerrier. Pour expliquer que les États-Unis, il y a des sections qui prennent contre une série de monde, il y a des monde qui connaît, il y a des monde qui pas forcément connaît. Et en pile les sections, pas forcément des détails qui baillent sur eux. Vous comprenez? Ils ont simplement dit que sanctionné, soit ou juste dit comme ça parce qu'il a gagné rapport avec gang, il a gagné liaison avec gang, ou bien il a impliqué dans la corruption, mais ça va gagner des données véritablement qui sont disponibles. Que même moun qui concerne ou qui accuse ya gen chance ouè yo li yo voir pour le commun des mortels ou bien pour de l'autre citoyen lambda qui nan pays ya. Donc monsieur t'es quand même allé dans ce ça pour te dire question moun qui sectionné pas là dans yo faut ta ruel ya y est de seul. Et gagne Emmanuel et maintenant de la forme l'ouverturienne réformiste m'a si bien dit structure monsieur Ménard là qui lui-même t'a pris la parole, guerrier, pour le renchérir, ok? Pour lui dire, bon, si nous voulons rentrer dans des masses, dans des bassins, il est nécessaire pour nous référer à la législation haïtienne, notamment la constitution haïtienne.
et lui quoi Dieu comme faire. Si nous l'abordons question, il faut que nous abordons au regard des lois haïtiennes. Et c'est la loi haïtienne qui est capable de trancher. Échange au fait, il y a des seuls parler, les arguments s'affrontent, qu'on dispute. Et Vision 2000 à l'écoute là, ils font réfléchir jusqu'à ce que vous campez dans 5h30. Vous prenez un break. Le break là dure environ 45 minutes. Et puis, vous retournez dans 6h30. Et puis, discussion la poursuivre. Et puis aux environs de 7h25, guerrier de seul, ils ont tranché, on a parlé là de CARICOM, ils ont adopté, eh bien, ou bien ils ont opté, si vous voulez, pour un conseil présidentiel avec 7 membres officiellement guerriers. Yoshita, parlé sous critère encore une fois, et puis après ça, ils ont définitivement d'accord sur ça. Que c'est un conseil présidentiel de 7 membres qui a parti comme ça guerrier mon qui a gagné mon dans conseil là yo dit c'est collectif du 30 janvier qui a voyé un représentant gagné raid avec aidé qui a voyé un représentant ça fait 2 gagné petite Dessalines de Moïse Jean-Charles avec réveil national équipe Guy Philippe là qui a voyé un représentant gagné accord du 21 décembre qui s'est équipé André Michel là, Majorie Michel Edmond Suplice Bozil qui a voyé un représentant, gen Montana qui a mis la famille Valas qui a voyé un représentant, et puis gen deux entités, ça fait 5 autres entités là, gen deux entités dans la société civile là qui ont même appelé comme observateur et structure ça guerrier gagné 24 heures devant eux pour capable transmettre non personnalité qui t'a dû faire partie du conseil présidentiel Sanrelé CPA. Il rencontre un guerrier, il finit hier de très tard, à 11h. Ça fait mal d'homme, il m'a dit un message à nous. Il finit de très tard, à 11h. Et il y a un dirigeant Guyana, c'est Ali, qui lui-même d'après parler avec la presse. Et c'est le même tout qui t'a annoncé officiellement que Ariel Henry démissionnait. Et ça fait